Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Donc aujourd'hui, j'ai ce jeu avec des paillettes. Donc je vous l'ai déjà présenté, on a déjà fait des tests. Donc cette fois-ci, on va essayer une autre méthode. Donc voilà, on va essayer les folios qui sont là. On va faire ça sur du papier. Voilà. Donc on va prendre. Je ne sais pas trop encore. Donc on va faire. Rose ou violet, je pense. Ça peut être sympa. Donc ce petit bout de carnet. On a fait ça sur la chaîne Do It Yourself Inspiration. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc voilà. Donc ce papillon rentre dans le thème. Ça peut être sympa. Pourquoi pas? Voilà. Donc, on va sortir le folio. Donc, on prend bien sûr la partie transparente, hein, c'est ce que l'on garde. Voilà. Donc notre papillon est ici dans cette zone maintenant. Et on va sortir donc le folio. Voilà. Donc voilà, il faut bien, bien, bien appuyer, il ne faut pas hésiter. Et voilà. Pas mal. Pas mal. Voilà, donc ça se fait vraiment très rapidement. Bon, il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Faut pas hésiter à bien appuyer. Voilà, mais ça fait vraiment quelque chose de très sympa, c'est très lumineux, c'est une matière plutôt brillante. Donc ça a marché, ça a très très bien fonctionné. C'est très sympa. Voilà. Donc voilà, je continue à personnaliser mon bloc-notes. Voilà. Donc c'est parti, on continue. Donc là, cette fois-ci, je prends donc le folio violet. Même processus.
Voilà, donc là, on... C'est un petit peu... Voilà, un petit peu... Il y a des petits ratés sur le côté, mais bon, c'est plutôt sympa, le voilà. Vous voyez, c'est vraiment très sympa pour faire de super belles choses. C'est très joli. Voilà. Donc là, ici, donc on a notre papillon. Il est vraiment sympa. Voilà, donc vous pouvez écrire un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas. Voilà. Après, on a aussi un folio comme ceci, là. Un peu d'une matière un peu plus rêche. Voilà. Donc, je trouve ça très sympa, très intéressant. Donc, vous pouvez écrire un commentaire hein, pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Pour me dire ce que vous pensez du jeu, de la vidéo, si vous avez aimé, pas aimé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, et ainsi à une prochaine. Salut !